Cela vous est peut-être déjà arrivé de passer une journée à jouer de la guitare. Vous apprenez un nouveau morceau et quelques accords. Seulement, quelques semaines plus tard, vous reprenez votre guitare, vous essayez de rejouer le morceau que vous avez appris, et là, c'est le trou noir, vous vous souvenez de rien. Réussir à mémoriser ces accords à la guitare est une des plus grandes difficultés que rencontrent la plupart des débutants. Bref, si vous aussi vous avez du mal à mémoriser les accords à la guitare, voici quelques exercices et conseils qui vous permettront peut-être d'y arriver. Une des causes principales de cette difficulté à mémoriser des accords à la guitare est bien évidemment la distraction. À l'heure des téléphones, de Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, il est très difficile de mémoriser quelque chose et d'apprendre quelque chose si vous êtes sans arrêt sollicité par votre téléphone qui vibre dans votre poche. Si vous voulez apprendre correctement quelque chose à la guitare et mémoriser vos accords bien plus facilement, il faut vous couper de toutes les distractions et les potentielles tentations qu'il y a autour de vous et vous concentrer uniquement sur l'instrument. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais l'environnement dans lequel vous jouez de la guitare a un réel impact sur votre apprentissage. Si vous avez un peu de place chez vous, essayez de vous aménager un espace dédié à la guitare et uniquement à la guitare. Mettez-vous dans des conditions propices à l'apprentissage. Installez-vous correctement, adoptez une bonne posture, mettez votre partition ou votre tablature bien devant vous, bien en évidence. À moins que vous n'ayez pas d'autre choix, évitez d'utiliser votre téléphone pour lire vos partitions et vos tablatures. Privilégiez plutôt le papier sur un bon vieux pupitre, ça vous évitera ce genre de situation. Alors bien sûr, ces conseils peuvent vous paraître évidents, mais vous verrez qu'en les appliquant, vous aurez déjà beaucoup plus de facilité pour retenir vos accords. Si malgré ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à retenir les accords, voici deux exercices que je vous recommande afin de les mémoriser. Le premier exercice est très simple, nous allons nous entraîner avec l'accord de Do majeur. Nous allons positionner nos doigts sur le manche, bien visualiser la position de cet accord et lever les doigts en même temps. Puis nous allons les repositionner en même temps. L'idée de cet exercice est de faire en sorte que votre cerveau intègre que cette position, cet écart entre vos doigts, correspond à l'accord de Do majeur. C'est très important de faire cet exercice plusieurs fois afin que votre cerveau intègre ces positions pour de bon. Une fois que vous sentez que vous avez bien intégré la position de l'accord, nous allons pouvoir passer au deuxième exercice. Ce deuxième exercice consiste à faire exactement la même chose, mais en rajoutant un tempo. Nous allons donc nous munir d'un métronome que nous allons régler à 60 battements par minute, 60 BPM. Nous allons compter 4 temps et nous allons jouer l'accord comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors cela ne sert à rien d'aller vite au début, commencez lentement et une fois que vous aurez bien l'accord en main, vous pourrez augmenter progressivement le tempo. Alors bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pris l'accord de Do majeur comme exemple, mais vous pouvez utiliser ces exercices pour tous les accords. J'espère que ces conseils et ces exercices vous permettront de mieux mémoriser les accords à la guitare. N'oubliez pas bien sûr d'être régulier dans votre pratique, c'est le plus important. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !